on va présenter l'association qui est Baba Corridor. Donc on est basé à Rivesaltes. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on existe maintenant. Donc aujourd'hui on est réunis avec Thierry Tandin, dit Attila, qui va traverser l'Islande. Hein, voilà, c'est ça. Qui va traverser l'Islande en courant. Donc nous on est une association, on est essentiellement basé. Notre activité principale c'est la course à pied. Et course à pied pas uniquement. Course à pied, bien perso, on peut faire plusieurs distances, comme je disais, du 5 à l'ultra. On peut préparer des gens aussi, on fait des entraînements, du renfo. Et course à pied, pas uniquement. Course à pied solidaire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a couru avec des enfants en situation de handicap. Donc, on fait aussi plusieurs distances avec nos enfants, du trail. Donc, tu es déjà venu nous accompagner quelques fois. Ouais. Comme ça aussi qu'on s'est un peu connus. Bonne expérience. Tu étais avec nous, je crois que c'était sur Rennes, notre entrepôt, pour faire route. Voilà. Tu nous as rejoint aussi à fond avec ta femme. Ouais. Tu as mis à la course à pied aussi. Bah, tranquillement. Voilà. Tranquillement, voilà, mais sûrement. Voilà. Et puis, bah, aujourd'hui, tu as répondu présent. Et on est fiers d'être un de tes nouveaux partenaires. Voilà. Oui. Comme tu dis, hein, partenaire de Hop Aventure. Avec mon coéquipier Andy, donc chacun de notre côté, puisque lui il est Hauts-de-France, on a essayé de trouver des partenaires, mais pas que, parce que comme tu disais, nous c'est une association qui ne fait pas que courir, hein, donc qui est aussi associative dans le sens humain, collectif, etc. Et nous c'est ce qu'on recherchait dans nos partenaires. Donc il était tout à fait. Quand tu m'as dit on en a discuté avec le bureau, ouais. On s'est dit nous on va faire quelque chose pour votre aventure. Mmh. Et c'est pas qu'on refuse les partenaires, mais certains partenaires on leur a dit non parce que ça rentrait pas dans ce que nous recherchions, dans ce qu'on voulait montrer et dans ce que vous voulez faire passer comme message. D'accord. Hop Aventure c'est donc une marche pour le climat et en soutien aux enfants de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc voilà, ça se recoupe dans plusieurs domaines, donc c'est bien. D'ailleurs, on va bien sur votre t-shirt, hein, copain, sportif, solidaire, cyclisme, run bike. Et je vois que tous les 5 mots, il y a apéro qui est... Et donc, ça fait partie aussi de notre concept, de temps en temps, de se faire un bon petit apéritif. Ouais, c'est connu comme voilà. Ça, d'ailleurs. D'ailleurs, oui, c'est comme ça. Par rapport à Olivier. Et puis, il y a eu la 1000 kilos l'année dernière. Voilà. Vous étiez... Ouais. J'étais venue la veille de porter un petit bœuf. Une des premières associations aussi à nous soutenir, à me soutenir parce que j'étais tout seul. Et puis le bœuf qui m'accompagnait toute la course. Au moins pendant les 5 premiers jours qui étaient les plus difficiles pour moi, puisque c'était sous la pluie. Ça m'a bien soutenu, ça m'a mis tant un coup de pied au cul. Et puis maintenant, bon, j'en ai eu un tout neuf, mais je veux dire, celui-là, il est encadré avec le t-shirt dans un cadre chez moi. Ouais. Parce que c'est collector, c'est pas pour vendre plus tard, mais voilà, donc il a sa place. Donc avec Andy, on le disait encore il y a pas très longtemps, on est très fiers de tous nos partenaires, et genre les babous ou les babaou. Babaou, Corridor, et de Rivesaltes. Donc c'est vrai que nous, on est très contents de ce côté-là, d'avoir ce soutien, parce que sur 1800 km, on va avoir quand même des moments de galère, difficiles, on va être dans le dur, et pour sortir de tout ça, le mental c'est bien, mais en sachant que tout le monde qu'il y a derrière nous, rien que sur les abonnés qui se sont déclarés sur la page, on est 2800 qui nous ça suivent. Ça a bien augmenté. Hein. De 151, on est passé à 2800. C'est un coup de pied au cul qui va nous permettre d'avancer. On a encore eu la semaine dernière avec l'équipage du Paris-Dakar de Toulouse, Eric, oui, Abel et Christian Manez, qui eux aussi vont nous pousser aussi avec leur association. On est très fiers et surtout c'est un honneur pour nous d'avoir des partenaires comme ça, comme les Babou Corridor. Merci. Merci. Merci Thierry. Merci à vous. Merci.